célébration de chevalerie, là où les participants ont l'opportunité de démontrer leur talent dans le maniement des armes. Geoffroy de Charny, considéré par ses contemporains comme l'un des meilleurs chevaliers de son temps dans la première moitié du XIVe siècle, écrivit dans son ouvrage Livre de chevalerie paru vers 1350, à propos des tournois. Il faut alors parler d'une autre poursuite à laquelle de nombreux hommes d'armes visent à faire leur réputation, c'est-à-dire des actions d'armes lors de tournois. Et en effet, ils gagnent des éloges et de l'estime pour les hommes, car ils exigent beaucoup de richesses, d'équipements et de dépenses, des difficultés physiques, des écrasements et des blessures, et parfois le danger de la mort. Pour ce genre de pratique des armes, il y en a dont la force physique, l'habileté et l'agilité, leur permettent de si bien performer qu'ils réalisent dans cette activité une si grande renommée pour leurs beaux exploits, et parce qu'ils s'y engagent souvent, et leur renommée augmente sur leur propre territoire et celui de leurs voisins. Ainsi, ils veulent continuer ce genre de poursuite des armes en raison du succès que Dieu leur a accordé en elles. Ils se contentent de leur pratique particulière des armes en raison de l'acclamation qu'ils ont déjà gagnée et s'attendent toujours à gagner de lui. En effet, ils sont dignes d'éloge néanmoins celui qui fait plus et de plus grande valeur. Le chroniqueur Jean Froissart décrit dans son ouvrage chronique, écrit au XIVe siècle, le tournoi organisé à Saint-Igles-les-Vers dans le nord de la France près de Calais. Sir John Holland fut le premier à envoyer son écuyer contre Sir Boucicault. Après être monté sur son cheval, et saisi sa lance, ils ont pris leur distance. Quand les deux chevaliers se regardèrent, ils poussèrent leurs chevaux qui se mirent au galop avec une telle force que Sir Boucicault perça le bouclier de son adversaire et la pointe de sa lance glissa le long de son bras sans le blesser. Les deux chevaliers, après s'être passés, ont continué leur galop jusqu'à la fin de la cour. Au deuxième cours, ils se sont légèrement frappés, mais aucun mal n'a été fait. Et leurs chevaux ont refusé de continuer pour terminer le troisième. Un jeune chevalier dont le nom était Sir John Talboys, a ensuite fait son apparition, complètement armé, et envoyé contre le seigneur de Sampy. Ce chevalier était prêt, et, après avoir saisi sa lance, lança son cheval. Leur premier début était si rude, leurs lances ont été fracturées. Les deux chevaliers se passèrent sans d'autres dommages, et ne tardèrent pas à commencer leur deuxième cours, après avoir reçu de nouvelles lances, dont il y avait une disposition déjà prête, toutes de la même longueur. De la faute de leurs chevaux, ils ont manqué. Eux se frappaient. Mais le troisième cours a été bien exécuté, car puis chacun s'est retiré dans leur propre camp, et le chevalier anglais n'a rien fait de plus ce jour-là.